sont beaucoup moins tueuses en série. Alors, pourtant, les femmes sont pas, autant abîmées dans l'enfance. Hein. En fait, moi, quand j'ai fait mes recherches pour écrire donc, ce fameux livre, en fait, c'est qu'elles sont beaucoup plus intelligentes. Mais comme elles ne tuent pas pour les mêmes motifs. C'est qu'elles pourraient être aussi abîmées, mais mais en fait, comme la plupart du temps, c'est pas pour des motifs de domination, de sexualité et tout ça, donc du coup, c'est beaucoup plus discret et elles arrivent à sévir beaucoup plus longtemps et beaucoup plus discrètement. Ça va être ce que vous disiez, hein, les anges de la mort, les veuves noires, la plupart du temps. Ou alors, elles sont très souvent en couple. Enfin, ça va être des femmes qui sont dans l'ombre de leur mari. Et le poison, ça laisse moins de trace. Le poison, voilà, c'est ça. Bah, c'est une technique beaucoup plus discrète. Et ce qui fait que, bon, effectivement, hein, la plupart du temps... Mais il y en a quand même moins. C'est-à-dire que statistiquement, on ne peut pas comparer ces statistiques. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas autant. Ça veut juste dire que comme elles sont plus discrètes, on ne les connaît pas. Alors, par exemple, vous, dans tous ces livres, quelle est la proportion de tueurs en série masculins et féminins? C'est minime, effectivement. Mais... 1%, 2%. Sur 6. Et est-ce que pour vous ça reflète la réalité ou vous êtes allé plus loin? Non, c'est parce qu'en fait là ça m'intéresse pas de travailler des personnalités féminines tout le temps. Voilà, là c'était plus l'histoire elle-même qui s'y prêtait, mais sincèrement après c'est pas pour refléter une réalité, c'est juste que voilà, en fonction de ce que j'ai envie de traiter, ça va plus être ça qui motive mon choix de personnage en fait. C'est pas une volonté de dire bon bah j'écris 6 livres, il faut que ça colle à la réalité. Non, c'est pas du tout ça, c'est plus comme disait Yves Boyer, c'est que moi je pense que ce qui est intéressant dans ce genre littéraire, c'est de quand même trouver pas des explications, mais des renvois à ce qui se passe sur notre planète. Sinon c'est ça, là, ça relèverait de la science-fiction, parce que là aussi, vous avez le droit d'écrire de la science-fiction. Mais quelque part, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des notions aussi de criminologie, de psychologie, etc. Et ce que vous avez sûrement, parce que je n'ai pas encore eu le plaisir de vous lire. Donc ça peut pas être... Sinon, c'est la science-fiction, vous voyez, c'est une confusion. Ça s'inscrit dans un domaine psychologique qui existe. Oui. Après, voilà, je les situe dans un contexte qui existe, dans un pays qui existe. Donc, après, ça reste des histoires. Je ne vais pas vous dire le contraire, ça reste des romans. Vous avez quand même été aux États-Unis un petit peu. Non, non, je travaille sur Internet. Mais vous n'avez pas l'ambition de faire des thèses, on a bien compris. Ce sont des romans, c'est fait court. Pour se distraire, pour passer un bon moment. Hein. Mais tu aurais passé de sang avec des fumeurs. Il n'y en a pas tant que ça dans les romans de plus. Non. Je sais l'utiliser, je pense que je l'ai éprouvé de temps en temps. Mais maintenant, si j'en ai pas besoin, je ne vais pas la mettre en scène gratuitement pour dire ah, bah, y a un corps qui. On est vraiment sur de la violence psychologique et qui m'amène plus, je pense, que les images sang partout. Mmh. Moi, tu m'as plus malmené que des livres beaucoup plus trash que j'ai pu lire. Hein, parce qu'on peut se projeter dans ces émotions humaines et ce basculement à un moment donné. On peut se projeter dans tes personnages. C'est ça qui fait peur, c'est vraiment des gens comme nous, ils ne sont pas français, il n'y a aucun, donc si vous situez tout ça aux États-Unis, vous dites là, oui c'est vrai que l'humanité, de toute façon, c'est l'humanité, mais il n'y a rien qui se passe en France, il n'y a pas de français et de françaises, donc ça m'intrigue, c'est tout. Ce que j'expliquais, c'est que le thème des tueurs en série, pour moi, c'est plus facile de le placer aux États-Unis. Voilà, après, ça reste des humains, et donc c'est des humains qui réagissent comme vous et moi, qui sont confrontés à des situations.
Malgré tout, aux États-Unis, il y a quand même la culture des enfants avec des... Sincèrement, c'est quand même quelque chose qui est traité. Parce que voilà, quand j'ai parlé de vous, Ophélie, sincèrement, j'ai parlé avec des tas de collègues, enfin des collègues auteurs qui sont policiers dans leur vie de tous les jours. Je n'ai pas obtenu une seule information identique sur le thème des tueurs en série, de comment c'est traité. Sincèrement, si même les policiers ne savent pas comment ça se passe en France, moi, je n'ai pas envie de le situer ici. Je vous le dis tout de suite. Il y a quand même aux États-Unis cette culture de la violence, tout le monde est armé. Vous voyez des gamins, même dans des petits films. Bon, j'ai eu un de mes petits-fils, là, il a voulu regarder « Maman, j'ai raté l'avion ». Le gamin, il a quoi, 9 ans? Il canarde tout le monde. Et ben, il a quand même son fusil, hein, et il tire sur tout le monde. Donc, je ne me vois pas à la maison, mon petit-fils en train de faire ça. Alors, moi, j'ai la taille du pays aussi, enfin, les États-Unis. Oui, c'est quand même un territoire immense où vous démultipliez le nombre de personnes qui... Et puis avec tous les nombres de personnes qui ont chacun leur territoire. J'ai la législation, j'ai la vente d'armes. C'est vrai qu'entre Roubaix et Tourcoing, ça serait moins exotique. Moins amusant à lire, certainement. C'est ça. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont envie de situer leur roman dans ces villes-là n'arrivent pas à faire quelque chose de drôle. On est d'accord. Mais moi, sincèrement, en tant qu'auteur, moi j'ai envie de m'exporter. Quand j'écris, j'ai envie de le situer ailleurs. Ça vous fait plus rêver. Voilà, c'est sympa comme j'expliquais, honnêtement, jusqu'à il n'y a pas longtemps, avant Inexorable, moi ça me coupait tout, je vous dis, je me retrouvais à plat, en gris et sans odeur, sans couleur. Tout de suite ça me coupait tout, quoi. Je me retrouvais dans la réalité. Et la réalité, c'est pas très drôle. Quoi. Même si c'est moins violent. Par contre, votre tueur en série, ça c'est drôle. Mais nous, on se marre. Même pour le lecteur, je pense qu'on sera moins exigeant en termes de procédure, de suivi d'enquête un livre qui se passe aux États-Unis, parce qu'on ne connaît pas forcément la procédure telle qu'elle existe, à part ce qu'on peut voir dans les films et ce qu'on peut lire ailleurs. En France, quand on la connaît, on est beaucoup plus exigeant. Oui. Du coup, ça, même pour nous évader, c'est différent. Oh, puis mettre un corps dans le coffre d'une Super 5, c'est pas exotique. Puis c'est moins facile à caser dans une cadillac. Voilà. Tu es en série en panne sur l'autoroute A6. Qu'est-ce qu'il n'y a pas intéressant? Par exemple, un tueur en série qui prend le train de Paris-Montargis qui s'arrête à Fontainebleau, puis il y a une enquête qui débat. Moi, je trouve ça intéressant. Mais ça peut être très bien fait par le moi, je trouve ça exotique. Tu as un qui fait Paris-Montargis tous les jours. Non, mais comme tu disais, sincèrement, ça peut être très bien fait par d'autres, mais je leur laisse le voilà. C'est pas ma cam. Clairement. Alors, moi, j'ai une autre question. Je voudrais savoir, quand je n'ai lu aucun de vos livres, puisque je suis venue pour faire connaissance, mais je voudrais que ça finisse bien. Je suis incorrigible. Les méchants sont punis. Alors, sincèrement, moi, j'aime bien les livres qui marquent. Et un livre qui marque, c'est un livre qui laisse forcément pas forcément des bonnes traces. C'est-à-dire qu'en gros, moi, si je referme un livre en me disant « ouais, c'était pas mal », et puis hop, je passe tout de suite au suivant, c'est quelque part que moi, il m'a pas suffisamment secoué. Et quand j'écris, moi, je veux vous secouer, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certains livres qui vont se finir moins mal que d'autres, mais parce que je veux pas qu'on m'attende toujours de la même façon à la fin de mes romans, mais il y en a qui se finissent pas bien. Oui, parce que j'en ai lu 3, et je suis restée un peu sur ma faim. C'est-à-dire? Parce que j'ai trouvé que les méchants étaient punis, mais j'ai trouvé qu'ils étaient assez punis quand même. Il y a aussi cet aspect immoral. Et ceux qui normalement n'auraient pas dû être punis. Se retrouve dans une situation. C'est un risque, mais est-ce que la vie est juste? Pas
Oui, bah, j'en sais quelque chose. Mais qu'est-ce que voilà, c'est justement pourquoi j'aurais voulu quand même. Mais qu'est-ce qu'une vie juste? Justement, justement, qu'est-ce que la normalité? Justement, je lis ces livres. Avec un livre, je lis ces livres. Je pense qu'il y a plus de réflexion qui peut naître d'un livre qui se finit pas comme un suit bien, mais psychologique, j'aurais bien aimé. On va plus entendre. Du fait qu'ils souffrent, ces gens. Qu'il y ait un peu une morale à la fin. Ah bah non, justement. Ah bah oui, mais... Là, c'est le choix de l'auteur, vous pouvez pas lui retirer ce choix. Oui, bah. Il y a ça, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, vous cherchiez des éléments réels sur la psychologie, sur est-ce que dans la vie réelle, tous les procès sont moraux? Est-ce que tous les rendus de justice sont moraux? Est-ce qu'ils sont tous justes? Est-ce que quelqu'un qui... Tu sais, il n'y a pas longtemps, j'écoutais à la radio, je voulais vérifier, bon c'est pas grave, je vous le répète quand même, hein. Mais on vérifiera après. À la radio, il parlait d'un procès en Italie où tous les accusés ont été innocentés après avoir violé une fille parce que matériellement, la fille était trop moche, c'était pas possible que les mecs l'aient enlevée. Je dis, c'est pas possible. Je me suis dit, il faut que j'aille vérifier, je l'ai pas fait, je vous livre ça brut de décoffrage. Mais ça, c'est moral. Et c'est la vraie. En France, les procès pour viol, il y en a combien qui sont. C'est une catastrophe. Est-ce qu'on arrive non, mais j'ai aimé quand même. Moi, j'ai entendu parler d'une histoire comme ça où la jeune femme, en fait, a été violée, elle portait un string. Ça a fait partie d'un enfin, elle a été voilà, ça a été à charge de parce qu'elle portait un string. Mais il y a beaucoup d'entre eux comme ça. Tu veux dire sous son pantalon ou sous sa jupe? Oui. Sur ce type d'enquête en France, une des premières questions qu'on va poser à une victime de viol, c'est comment était-il? Et donc ça, enfin tout ça pour étayer le fait que bah la vie et même la justice, je pense, peut mieux faire. Alors, moi je vais poursuivre, hein, puisque nous étions aux États-Unis. Ta dernière actualité, c'est celui-ci, inexorable. Le seul, d'ailleurs, le seul de tes livres qui se déroule en France. Alors, outre le fait qu'il se passe en France, toi-même, tu indiques... on en a déjà parlé, tu indiques que c'est un livre différent des autres. Pourquoi ce changement? Alors en fait, au bout de 6 bouquins, je me suis dit qu'il était peut-être temps de profiter de ma petite aura pour essayer de mener un combat. J'ai de l'espoir, hein, parce que avant d'arriver à ce que ça change les choses, mais bon, c'est pas grave, je l'aurais fait, au moins j'aurais pas de regrets. Donc moi en fait j'ai mon petit garçon qui a un handicap invisible, donc c'est très compliqué, ça a été très compliqué au niveau de l'école, et à un moment donné j'ai eu envie de traiter autrement une histoire d'accusation de tueur en série, et puis bah, je me suis dit que j'avais envie de travailler le rapport mère-fils, et bien lui donner corps à ce rapport mère-fils, je me suis dit bah, pourquoi ne pas utiliser ce qu'on a vécu nous, pour donner du corps justement à ces personnages et donner du poids à mon livre avec justement une dominante sociale. Et puis bah, petit à petit, je me suis dit, ce livre-là, il ne peut pas se passer aux États-Unis parce que l'école telle que je la décris, il n'y a qu'en France qu'elle existe comme ça. Et c'est pour ça que finalement, bah, là, pas de son, pas d'image, mais là, je suis revenue en France justement pour qu'il soit complètement empreint de la réalité d'une mère de famille banlieusarde. Avec bah, tous les aspects, retard de train, dommage, il y avait des feuilles sur les voies, maintenant vous prenez une heure de retard, enfin voilà, des détails de la vie de tous les jours qui viennent compliquer en plus une relation très compliquée avec l'école. Donc c'était qu'est-ce qui se passe quand, dès l'enfance, on a été condamné par le système et qu'on se retrouve à plus vieux, accusé de quelque chose de vraiment grave. Voilà, donc il y a toute une partie vraiment empreinte de réalité, qui est presque un témoignage, hein, de ce que j'ai pu vivre avec ma famille, mon fils. Et puis après, je pars vers une fiction et quelque chose de plus... qu'est-ce qui se passe après?
J'espère que vous n'avez pas projeté la vie de votre... Non, j'y ai pensé, franchement, mais bon. C'est vrai qu'il y a le petit côté, comment ça, superstitieux. C'est pas grave, il n'y a pas de peur en série en France. C'est vrai. On n'a pas dit qu'on n'avait pas. Non, on n'a pas dit qu'on n'avait pas. On a dit que ce, on ne sait pas comment c'est traité. On ne sait pas dans quelle case on les met. C'est ça. C'est ça. Après, il faut quand même préciser que si on n'a pas ces informations de ta part, ça se lit comme un thriller classique, avec effectivement des alertes sur le traitement de certaines choses par l'école, par la société, mais sans avoir cette explication, un lecteur qui ne te connaît pas va le lire comme un thriller. Alors justement, c'est pour ça aussi qu'il y a la préface de mon fils. La question parce que voilà, c'est ça. Donc en fait, ce livre, bon, sincèrement, quand je l'ai écrit, donc moi je voulais quand même déverser beaucoup de choses pour alerter, mais je me suis dit que les gens ne comprendraient pas toute sa dimension s'il n'y avait pas quelque chose en plus. Et c'est pour ça que du coup, mon fils l'a préfacé. Donc il a pu expliquer avec son recul, puisque bon, ça va mieux. et donc il a pu un petit peu expliquer ce qu'il a pu vivre et pourquoi ce livre pour lui, bah, il est important aussi puisque ça permet peut-être de dénoncer des choses et pourquoi pas, soyons fous, d'entraîner des changements. Quel âge a votre fils ? 13 ans. Merci. Pourquoi ce choix surprenant et est-ce que tu as accepté de nous dire ? Oui, bah, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que avec cette préface, ça permettait que le livre prenne une autre dimension, enfin, d'après moi, c'est-à-dire qu'on comprenne bien que c'était du vécu et pas seulement une histoire racontée, avec bah, des parents qui ont pris contact en me disant qu'ils bah, reconnaissaient leur combat de tous les jours. Moi, je vois, enfin, j'ai des amis dont l'enfant est dans la même école que mon fils et il est en train de se faire broyer tout comme ils ont broyé le mien. Et ça, moi, je trouve ça inadmissible, quoi. Inadmissible que l'école se transforme en machine à broyer pour des enfants. Sachant que moi je vais mettre dans la case handicap invisible, aujourd'hui ça représente pas loin de 20% des enfants. 20% des enfants, c'est un élève sur 5. Ça veut dire que sur une classe de 30, regardez la proportion, ça s'appelle plus une minorité. Et ça, ça veut dire que ces gamins-là, s'il n'y a rien qui est fait, alors il y a des écoles très bien, je ne dis pas le contraire, mais ça dépend des individus. Et puis il va y avoir des écoles où bah, vous tombez mal, pas de peau. Hein. Et puis là, bah, votre enfant, bah, sa seule chance, c'est de partir dans le mur. Parce que tout simplement, rien n'est fait pour lui, pourra apprendre de ses différences. Et le système ne se remettra pas en cause, puisque de toute façon, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de formation. C'est au petit bonheur, allez, bah, pourvu que la maîtresse soit douée cette année. Et c'est dramatique hein, de raisonner comme ça. Quand j'ai lu le livre, moi j'ai lu la préface après avoir lu le livre. Ce qui fait qu'effectivement, moi j'y ai trouvé un thriller, enfin une histoire avec effectivement. Surtout un thriller dans lequel un livre dans lequel tu parles de la différence, de cette difficulté d'être différent dans la société française actuelle. Pour moi, c'était le personnage, la différence était le personnage central, la clé de voûte de ce thriller. J'ai ensuite lu la préface, j'ai relié effectivement Gabriel, hein, mon fils, clairement, on en parlait avec Ophélie tout à l'heure, clairement, quand tu lis, tu comprends qu'il y a une différence, mais tu n'arrives pas à comprendre quelle différence si tu ne lis pas la préface. Donc tu me diras, la préface, c'est fait pour lire, être lu avant, normalement. Ok. Rebelle. Ok, donc la perception a été différente. Ouais. Pour moi, Milo, l'engrenage dans lequel il tombe est lié au traumatisme, et pas un handicap. Ah oui, différence. Non mais clairement, hein, c'est pas un livre sur le handicap. C'est un livre qui est... Sur le traumatisme, en fait, moi, ce que j'ai pris pour le personnage de Milo, c'est un trouble de l'angoisse. Et donc, sincèrement, c'est pas quelque chose que j'invente, tout simplement parce que mon fils, en plus de son handicap invisible, avait un trouble de l'angoisse. Donc, du coup, tous les comportements que je décris, la plupart des scènes, elles sont juste romancées. Hein. C'est du vécu. C'est tout ce que j'ai mis dedans, c'est des choses que l'école nous a fait vivre et où les parents sont venus nous trouver à la sortie. Tout ça, c'est du vécu. Donc c'est vrai que sur toute cette partie-là, voilà,
c'est des choses qui ne parlent pas du handicap, mais qui parlent de la vie des parents comme nous, ce qu'on a pu vivre. Et puis bah, y en a beaucoup qui se sont reconnus, puisque voilà, j'ai eu quand même pas mal de contacts de gens qui me disent ah, « bah, ça, j'ai l'impression de me retrouver ». Des parents, des gens qui vivent ça en ce moment, c'est... Et puis bah voilà, c'est vrai que la société n'est pas très tendre envers nous, hein, parce que, bah, dès que ça met en péril le petit confort de chacun, bah, on est tous égoïstes, hein, et c'est normal, hein, je veux dire. Mais bon, sachez que c'est très 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 difficile de vivre de cette façon-là. Moi, ce qui nous a sauvés, c'est qu'au final, bah, ces parents-là se sont ligués contre nous, c'est curieux, mais ils ont eu notre peau, hein, c'est-à-dire qu'ils nous ont fait virer de l'école. Et bah, au final, ça a été notre chance. Tout simplement, c'est qu'en fait, sorti de cette école-là, bah, le trouble de l'angoisse s'est apaisé. Et mon fils a pu reprendre une scolarité, on va dire, allez, à 95% normale. Donc finalement, bah, vous voyez, là, la connerie des gens, bah, malheureusement, cette fois, ça a payé. Je ne voudrais pas encourager les cons à continuer, mais en l'occurrence, voilà, c'est ça la société française aujourd'hui. Hein. C'est chacun son petit précaré, et puis il ne faut pas empiéter sur le confort des autres. Quoi. Et puis il y a vraiment cette notion d'engrenage, et si on voudrait retourner vers les autres, ben, on l'en empêche. Ouais, on l'empêche de redevenir un enfant comme les autres, et ça creuse encore cette différence, et ça le rejette encore plus. Bah, c'est-à-dire que l'école a des responsabilités par rapport à tout ce qui va être pénal, etc. Il y a des responsabilités civiles, enfin des choses. Si elle laisse un enfant se faire taper, c'est l'école qui peut se retrouver en porte-à-faux. Donc au bout d'un moment donné, l'école, face à des enfants comme ça, elle va prendre des mesures, mais qui finalement vont accentuer la discrimination, vont accentuer la stigmatisation de l'enfant qui se retrouve rejeté. Et puis bah, au bout d'un moment donné, il y a un passif qui s'accumule, c'est-à-dire que plus l'enfant est mis de côté, plus il va avoir des réactions d'angoisse fortes. Plus bah, finalement ça entretient un cercle vicieux, plus il est mis pointé du doigt. Moi je dis sincèrement, il y a une scène, c'est du vécu encore une fois. Un jour, moi j'arrive à l'école et on me dit oh, bah, Gabriel, gna 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 gna. Et puis d'un seul coup, je me dis mais c'est pas possible, il se moque de moi, il n'était pas là ce matin. Donc Gabriel, il avait fait quelque chose ce matin-là alors qu'il n'était pas à l'école. Voilà, donc c'est la stigmatisation, c'est qu'au bout d'un moment donné, les gamins, ils ont un coupable tout trouvé, bon, parce que c'est beaucoup plus simple. Hein. Et donc voilà ce que vivent les parents comme nous aujourd'hui dans le système. Et donc c'était un livre pour vraiment le dénoncer. Et puis, un livre militant. Oui, c'est, je me suis dit qu'il était peut-être temps de, de partir au front. Ça c'est vrai pour toutes les différences, hein, si vous n'êtes pas exactement conforme. À la vie simple, voilà. C'est vrai, mais en même temps, quand c'est invisible, c'est presque encore pire. Je dis pas attention, hein, y a des situations de handicap visibles qui sont pas drôles, hein, c'est pas du tout mon propos. Mais quand c'est invisible, il y a encore l'incompréhension qui se rajoute en plus. C'est-à-dire que quand vous avez un enfant extérieurement qui... Ben, moi, je veux dire, j'ai encore des mots, alors que c'est le problème principal de mon fils, pour parler de son agitation. En même temps, c'est un peu sa problématique, où c'est bien gentil de me faire des mots, hein. Moi je veux bien, mais c'est pour se faire plaisir, hein, parce que, je veux dire, il n'y a pas d'interrupteur sur sa gamin-là, quoi. On va aborder un sujet un peu plus léger. Mais c'est important, et tu en parles toujours aussi bien, donc... tu formes avec d'autres auteurs du genre. Une équipe plutôt amicale. Il y a certainement des débuts en commun, ouais. Pour une majorité. D'ailleurs, il y a un complice pas loin. C'est la casquette. Il est pas loin, donc il y a Jacques. Olivier, Nicolas, Nico, Sandra, Martineau. Ouais. Enfin, une petite équipe. Une bonne équipe, oui. Quelle place a cette amitié toujours aujourd'hui pour toi? C'est important parce que... je ne sais pas, par exemple, Jacques, bah, nous on se voit régulièrement, même hors salon, pour discuter, pour partager nos expériences, on va dire éditoriales, des petits trucs, des conseils. On partage aussi, bah, ça fait partie tous les deux des primo lecteurs de l'autre. Oui, donc, c'est ce que j'allais demander. C'est oui. Ça, donc, c'est-à-dire que, alors là c'est vraiment, je pense Jacques et moi, on est les deux plus qu'avec les autres, oui, hein, oui. Mais c'est-à-dire que moi, Jacques, il lit mes romans parmi les premiers pour me donner son avis, donc
j'intègre les modifs qu'il peut me donner, parce que voilà, c'est aussi un autre regard d'auteur que sur, par exemple, est-ce que tout est, je sais pas, se tient, s'il note une petite chose qui l'embête, bon bah ça veut dire qu'il faut que je modifie. Moi, de la même façon, bah, je vais lui dire, oh, bah, là, ta voiture, là, elle était verte, là, elle est devenue bleue. Des petites choses comme ça. Je me rappelle de ton stress au moment où celui-ci, le dernier Misérable, devait sortir. Et t'attendais le retour de Jacques, qui était quelque part au Québec, dans un salon. Ouais, et je dis, oh là là, la vache, mais il ne m'a toujours pas répondu. Ben non, puis en plus, ça a été compliqué, parce que moi, je devais le rendre. Et puis, bon, voilà, c'est vrai que le retour de Jacques, il est hyper important. Bah, oui. Après, avec les deux autres, voilà, c'est... Olivier, bah, par exemple, ça va être mon conseiller technique, c'est-à-dire que... Oui. Pour Olivier, c'est Olivier Noreg. Olivier Noreg. Donc lui, bah, c'est vrai que je l'appelle quand j'ai besoin de conseils, bah, par exemple sur une Exora pour la police française, pour qu'il me donne 2-3 trucs pour situer ça à peu près, bon voilà, pour pas raconter n'importe quoi. Après, ça veut pas dire que j'ai pas fait des boulettes, mais bon, elles sont de mon fait, pas du sien. La police à côté de moi pour c'est finir. Ça, bah, je suis contente parce que, bon, comme je disais, hein, s'il y a des boulettes, elles sont de mon fait et pas du sien. Lui, il m'a tout bien expliqué, enfin, bon, sur certaines procédures, comment ça se passe au niveau de la police française et tout. Et puis après, bah, je vous dis, quand j'ai besoin de petits détails sur des techniques de plus scientifiques ou des choses comme ça, voilà, c'est lui que je vais appeler. Oui. Après, Nicolas, bon, il va être aussi Nicolas Lebel, plus quand, par exemple, il y a des moments où, plus pareil, dans l'échange, bon, voilà, sniff, sniff, là, j'ai plus trop le moral, ouais, allez, vas-y, Quelle est la meilleure marque de whisky que je peux savoir avant? Voilà, c'est ça, les choses par exemple. Non, mais voilà, c'est une chouette équipe, franchement. Ça fait partie intégrante du plaisir d'écrire. Alors c'est vrai que moi, il m'est arrivé d'avoir des gros coups de mou où je me dis, oh là, c'est bon, j'arrête, mais en fait ce serait trop horrible, parce qu'arrêter, c'est perdre les salons, c'est perdre les copains, et donc ça fait partie de la motivation à continuer et puis à se faire des salons en commun et des partager des moments comme on partage, quoi. C'est un vrai bonheur de vous voir ensemble. Ah bah, ça, oui, on est un à vivre. Du coup, c'est une activité solitaire, mais pas si solitaire que ça. Bah, sincèrement, moi, me concernant, c'est moins solitaire que pour d'autres. Moi, je travaille, hein, donc franchement, des gens, j'en vois tous les jours, je prends les transports, mais voilà. Mais l'écriture, après, oui, c'est quand même assez solitaire, mais bon, c'est ces moments-là où on fait des salons, où on est avec les lecteurs, avec les copains, bah oui, c'est extrêmement fort. Et alors, quand est-ce que vous écrivez? Voilà, c'est ça. Moi, j'écris le soir après le boulot. J'écris 3 soirs par semaine. Et des fois un peu le mercredi, parce que je travaille plus le mercredi, et puis le week-end si je suis là. Est-ce que vous prenez des notes dans le métro, dans le train, dans... En fait, moi, je travaille sur plan, c'est vrai que je sais à peu près de quoi je vais parler tout le temps. Après, ça va être juste le chapitre suivant, ça va être juste, par exemple, de la mise en scène, comment les personnages vont bouger dans ma scène, quels gestes ils vont faire... de quel point de vue je présente, puisque j'aime bien tourner un peu dans les têtes. Donc ça, bah oui, ça je peux avoir des fulgurances dans les transports en commun, et puis arriver et puis noter effectivement dans une appli de bloc-notes, de noter, bah tiens, ou modifier tel truc, ça, ou j'ai oublié une précision, voilà, ça va être ça. Mais après, sur la structure globale du roman, ça je l'ai dès le démarrage. Est-ce que vous êtes inspiré par certains faits divers que vous... Bah oui, par exemple sur Dompteur d'Ange, c'était les attentats. Sur ça va être des reportages sur, par exemple, la disparition qui a généré, alors, et même si on en est loin, le tueur intime, et puis serre moins fort. C'est voilà, ça, pareil, ça va être des personnages, mais oui, ça inspire toujours, parce que par exemple dans Inexorable, il y a une personne qui me l'a signalé. Mais j'ai mis une scène de harcèlement de rue, en fait, parce que moi, je voulais décortiquer ce phénomène. Et donc, c'est une scène, qui est liée à MeToo et compagnie, sur comment certains hommes peuvent se comporter. Et puis, ça ne veut pas dire que les femmes, des fois, se comportent pas mal dans l'autre sens, mais voilà, c'était une façon d'expliquer aussi ça. Et donc, ça, c'est de l'actualité que j'ai insérée dans mon roman. Mais qui n'est pas la dominante, hein. C'est une scène... Mais pour c'est un point de départ. C'est juste une scène que je situe dans le roman, bon,
qui est utile parce qu'elle explique certains événements, mais voilà, c'est, ça me permet aussi de mettre un petit coup d'actualité, un petit coup de projecteur sur quelque chose qui est dommage. Oui. Moi j'ai une question qui va venir en écho avec une question que je t'avais posée lorsque tu étais à la place de Claire. C'est pour ça que je suis bien dans voilà. Ce voilà. Ah, non, tu vois, non, mais il l'a rôdé avant toi, je te dis pas. Il y a que c'est toi. Une barre de forme, hein, tu... Il y a le Québec qui vous attend tous. Quand est-ce que tu vas accompagner Jacques par là-bas avec on les copains? Ben, ce serait bien d'y aller tous ensemble. Ben oui, mais moi, vous serez invité à venir avec moi. Ben oui, non, mais moi, c'est vrai que le Québec, en plus, moi, j'y suis allée donc en vacances, là, par contre. Oui, c'est mais... vraiment, ouais, c'est vraiment chouette. Hein, c'est... Franchement, on est bien là-bas. Ça fait... Et le salon fait, enfin... Mais après, voilà, c'est toujours pareil. C'est pas facile d'être invité là-bas. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a la notion de... La... Des fois, les lecteurs nous disent, mais pourquoi vous venez pas à tel salon? Mais c'est pas nous, hein, on non, choisit non, pas. Enfin, bien sûr, il y a des fois où, quand il y a plusieurs événements en même temps, par exemple, le week-end de Saint-Maur-en-Poche, moi, j'avais 4 invitations pour des salons, hein. Voilà, là on est obligé de faire des choix. Donc, oui, là c'est bah non, je peux pas venir. Mais la plupart du temps, c'est aussi bah non, je suis pas invitée donc je peux pas m'incruster. Coucou les copains. Oui, mais peut-être pour votre dernier livre, comme il se situe en France. Et non, ça change rien. Les systèmes scolaires, l'handicap, etc., ça attirera plus les Québécois peut-être. Parce qu'il y a pléthore de. Ils ont loupé la sortie au Québec. Ouais. Je suis même pas sûre qu'ils sont en vente encore. Il y a eu un cafouillage. Ça devait normalement sortir le 29 novembre et 3 mois plus tard, il n'était toujours pas en vente. Mais c'est pas grave. Bah, il aurait dû être à Montréal en même temps que ouais. Le mien. Et ouais. J'ai fait le salon de Montréal dans tous les sens et je n'ai pas trouvé son lieu. Ouais, non, mais parce qu'en fait, il y a eu un loupé. Ils ont loupé la commercialisation. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On va y aller quand même. Ouais. Claire, mon petit doigt m'a dit. Que tu écrivais aussi d'autres romans. Ouais, c'est un petit doigt qui s'appelle Olivier, ouais, non. Mais c'est pas lui, tu vois tout de suite. Tu as écrit au moins, enfin, à peu près un roman de science-fiction. Alors, science-fiction, que moi, tu n'en publiais jamais. Non, science-fiction et fantasy, oui, enfin, oui, quelque oui. Chose de plus. Et non, ce n'est pas Olivier, ce petit doigt. Romance perdu. Ouais, ben oui, non, c'est, en fait, j'écris plein de choses. J'écris des romans, j'écris. De l'heroic fantasy, j'écris plus contemporain. Mais voilà, c'est des moments justement où je n'ai pas de lectorat. Donc c'est vraiment des moments où c'est que pour moi. Et t'as pas envie justement. Et j'ai pas envie de les partager parce que voilà, c'est des. Justement, c'est. Et c'est marrant parce que, en fait, sur les derniers livres où j'ai des. Où je sais qu'ils. Bon, ils sont écrits dans le but d'être publiés. Je pense beaucoup maintenant trop peut-être au lecteur et du coup moi ça me prive d'une partie de mon plaisir d'écrire. Et alors que ces livres-là justement il n'y a pas de lecteur donc j'ai vraiment l'intégralité du plaisir. Et je suis très contente parce que ce que je remarquais pas plus tard que ce midi avec mon mari, c'est que là pour le prochain j'ai retrouvé un plaisir 100% d'écriture. Où là mais c'est facile, c'est trop bien. Justement, du prochain.